France que profiter de cette occasion pour présenter nos sincères condoléances à ces familles qui ont eu à perdre des personnes durant l'accident du samedi passé. Et vraiment souhaiter pour que ces blessés puissent retrouver leur santé le plus rapidement possible. Et vraiment, je vais saluer la présence effective du directeur de l'ANRAC, mais aussi saluer son soutien vraiment très consistant, qui permettra de prendre en charge rapidement les patients, mais aussi d'acheter certains produits d'urgence pour que ces patients puissent retrouver leur santé, mais aussi permettre aux médecins d'intervenir en urgence au bloc pour les patients qui en ont besoin, mais aussi prendre en charge les autres patients qui ont des blessés légers au niveau des pharmacies privées. Vraiment, nous le remercions de ce geste. Faites-nous le point dans la prise en charge des blessés, que ce soit ici, à Zignachor. Quels sont ceux qui ont eu les interventions? Quels sont ceux qui n'en ont pas? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oui, le bilan provisoire qu'on avait fait avec les autorités, on avait enregistré malheureusement 5 morts et une trentaine de blessés graves. Des blessés graves qui avaient des fractures ouvertes. Pour certains, d'autres des hémorragies externes, internes, en tout cas des blessures extrêmement graves qui nécessitent carrément des interventions en urgence, mais aussi d'autres interventions avec des médecins chirurgiens. Et là, nous avons écho que certains patients ont déjà bénéficié d'une intervention chirurgicale et il y a d'autres patients qui attendent jusqu'à présent. Et nous espérons que d'ici un à deux jours que ces patients vraiment retrouveront leur santé. Quelles sont les difficultés globales que vous avez rencontrées dans la prise en charge ici? Les difficultés, c'est d'abord un défaut de personnel. Heureusement qu'il y avait la population et les personnes de bonne volonté, l'organisation des autorités qui étaient carrément impliquées dans le processus. Et là, je pense que c'est l'occasion de les remercier, le préfet, le président du conseil départemental, le maire de la commune et toutes les personnes qui sont impliquées. Et nous les avons évacuées avec l'intervention des amis, collègues médecins de Djouloulou, Tchonkessi, de Ziguinchor qui nous ont aidés avec leurs ambulances. Et les 30 patients graves sont évacués en urgence, en priorité. Et arrivés à Ziguinchor, quand même nos amis chirurgiens, les orthopédistes, le directeur de l'hôpital de la paix, le directeur de l'hôpital régional sont intervenus pour faciliter la prise en charge. Est-ce qu'il ne faut pas faire intervenir aujourd'hui les autorités centrales pour la prise en charge de cette trentaine de blessés quand on sait qu'actuellement le bloc opératoire de l'hôpital régional ne fonctionne pas? Vous n'appelez pas l'État à s'investir pour évacuer certains attaquants? Oui, c'est un problème réel. J'étais surpris quand on m'avait dit que l'hôpital, le bloc de l'hôpital régional était en réflexion, soit avait des défauts de fonctionnement. Et qu'on m'avait appelé au niveau de l'hôpital de la paix pour prendre en charge les patients, mais il y avait aussi un autre souci d'oxygène. Donc on était obligé de les appuyer en quelques bouteilles d'oxygène. Et je pense que c'est des situations qu'il faut déplorer. Et l'hôpital régional, que ce soit l'hôpital de la paix, devrait être en mesure de prendre ces interventions en urgence, quoi. Donc, mais aussi, nous profitons de cette occasion pour faire un appel, appuyer notre plaidoyer pour que le centre de santé de Bindiona soit érigé en un hôpital de niveau 2 minimum, vu la position géographique de Bindiona, ville Carrefour, et que le poste de santé le plus loin de l'hôpital régional fait minimum 100 km. Donc là, il y a carrément un problème. Et si Bindiona est érigé en hôpital de niveau 2, vraiment, ça va soulager non seulement la population, mais ça va permettre une prise en charge de proximité et une prise en charge de qualité. Il y a une trentaine de blessés légers. Est-ce qu'il n'y aura pas besoin pour eux, complète d'appui de prise en charge psychologiquement? Oui, ça, c'est vraiment important, le suivi psychologique, parce que d'autres personnes ont reçu un traumatisme psychique. Donc, ils auront nécessairement besoin de l'intervention d'un psychologue pour les accompagner dans le suivi, que ce soit les patients blessés, mais les patients qui ont eu à subir ce trauma, même s'ils n'ont rien, ils ont quand même besoin de l'apport d'un psychologue pour les accompagner dans la prise en charge. Ça serait important. Tu vois, le docteur,